Bon, franchement, là, je commence à en avoir marre de cette histoire. Laurie n'était pas du tout présente. Elle était au Matignon avec son copain. Elle était certes dans la même soirée que nous. Après, nous, on a décidé de partir boire un dernier verre parce qu'il y avait mon ex et il n'est pas parisien, donc il avait pris une chambre à l'hôtel Intercontinental. Donc, on est allé là-bas, on a bu un dernier verre et il y avait le chanteur Saad qui était là. Et ouais, on a, enfin, c'était sympa, quoi. On a écouté un petit peu les musiques qu'il faisait et tout, parce qu'on lui a demandé, on s'est intéressé un petit peu à ce qu'il faisait, donc il nous a montré ses clips vidéo et tout. On a écouté des musiques, après on a écouté un peu de musique un peu plus old school et tout, c'était cool. Et voilà, genre même pas une heure après, ils ont décidé de partir tous les deux dans un autre hôtel. Et voilà, ils étaient mignons, ils sont partis main dans la main, elle le regardait avec beaucoup d'admiration, enfin, ils étaient choux. Après, te dire que c'est une escorte, j'en sais rien, je connais pas sa vie, je connaissais même pas son prénom, donc voilà. Mais ouais, non, ils étaient mignons, quoi. Après, ils se sont pas embrassés devant nous ni rien, tu vois, mais ouais, ça se voyait qu'ils se plaisaient, quoi. Enfin, je sais pas, après, moi, je peux pas du tout savoir ce qui s'est passé dans l'autre hôtel parce que j'étais pas là. Clairement, mais enfin, je sais pas, ça prend des proportions énormes cette histoire. Je comprends pas, mais j'ai pas du tout l'impression que Saad pourrait faire un truc comme ça. Ça a l'air d'être un garçon très bien, il était super sympa. Enfin, voilà, c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Ça va très très loin, je comprends pas. Voilà, hein. Moi j'espère quand même qu'elle va retirer sa plainte parce qu'elle l'a vraiment mis dans la merde, ça, dès que ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Et voilà, j'espère qu'elle retirera sa plainte.